Sayyidi, Ya Rasulallah, maître au messager de Dieu, Ra'aytu nour al-shamsi wa nour al-qamar. J'ai vu la lumière du soleil et celle de la lune. Wa ra'aytu nouraka anta ya habibu. Et j'ai vu ta lumière, ô bien-aimé. Fa wajadtu al-shamsa wal-qamara yaghrubani. Et j'ai remarqué que le soleil et la lune disparaissent après le coucher. Wa wajadtu nouraka ya sayyidi la yaghibu. La layl wa la nahar, nouruka ya Muhammad sallallahu alayka wa sallam, nouruka ya sayyidi la yaghibu. Et j'ai observé que ta lumière, ô bien-aimé, ne disparaît jamais. Jour et nuit, elle est là, 7 sur 7, 24 sur 24. Fawa'ajaban liman ya'ishu fi dhulumati. Oh, quel étonnement pour celui qui vit dans des ténèbres. Kayfa yud'a li nourika sayyidi fala yujibu. Comment on l'invite à ta lumière, ô bien-aimé, et il refuse. Ra'aytu nour al-shamsi wa nour al-qamar. ورأيت نورك أنت يا حبيب فوجدت الشمس والقمر يغرباني ووجدت نورك يا سيدي لا يغيب فوا عجبا لمن يعيش في الظلمات كيف يدعى لنورك سيدي فلا يجيب سيدي أمير الأنبياء maître émir des prophètes صلى الله عليك عدد نجوم السماء. Que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel. Et au nom des sables du désert, et au nom de la descendance d'Adam et Ève, après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa azka salam, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Kalimati al-yawm am mawdou'in hassas am mawdou'in khatir wa huwa mawdou' tarbiyat al-awlad fi al-islam. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, je vais vous parler d'un sujet qui est très très dangereux. C'est l'éducation des enfants. Wa abda bi hadha as-su'al. Et je commence par cette question. Limada ash-shabab al-muslimun fi Faransa talaqu hubb ad-dirasa wa hubb al-'amal. Pourquoi les jeunes musulmans en France ont répudié l'amour de l'école et l'amour du travail? Et ils ont aimé ne rien faire et ils ont aimé la paresse. Pourquoi ont-ils choisi de vivre sur la marge de la vie? Pourquoi sommes-nous arrivés à cet état, à cette situation? La réponse, il y a plusieurs raisons. Et parmi ces raisons, l'éducation, ou plutôt le manque d'éducation. بمعنى أن الآباء لم يقوموا بواجبه. Ceci signifie tout simplement que les parents n'ont pas accompli leur devoir. وهو تربية الأولاد, qui est l'éducation des enfants. بمعنى أن أخطاء الشباب التي نراها هي في الحقيقة أخطاء للآباء. Ceci signifie que les erreurs des jeunes, ces erreurs visibles aujourd'hui sont en réalité des erreurs des parents. Fashal al-shabab alladhi nara, l'échec des jeunes visibles aujourd'hui, huwa fashal lil-aba, en réalité c'est un échec des parents. Fashal lil-murabbin,
est un échec des éducateurs. وَأَفْتَحُونَ قَوْسَيْنِ Et là, j'ouvre deux parenthèses pour dire c'est très facile d'enfanter, c'est très facile de mettre au monde des enfants. Il s'agit d'une opération facile. Même les animaux font des petits. Le problème, la différence entre nous et l'animal, c'est que la différence entre nous et les animaux, c'est que le petit d'un lion devient toujours un lion. On n'a jamais vu le petit d'un lion qui est devenu un agneau. Ibn al-Faras, le petit d'un cheval, yakhruj farasan ka'abi, il devient un cheval comme son père. La yumkin an yakuna himar, il ne peut pas être un âne. Wahakada, et ainsi de suite. Walakin limada ibn al-Muslim la yakun musliman. Le problème, pourquoi le fils d'un musulman ne devient pas automatiquement un musulman? Limada bint al-Muslim la takun musliman. Pourquoi la fille d'un musulman ne devient pas une musulmane? Uhibbu an aqula huna kalima. Là, j'aimerais dire un mot. بأن أصعب مهنة أو أصعب مهمة في العالم comme quoi la mission la plus difficile au monde أخطر مهمة في العالم la mission la plus dangereuse au monde هي مهمة التربية c'est la mission d'éducation هي أن تكون أبا c'est que tu sois un père هي أن تكون أما c'est que tu sois une mère أصعب شيء هو الزواج. La chose la plus difficile est le mariage. الإنسان لا يتلقى دروسا في حياته. L'individu ne reçoit pas des leçons dans sa vie. ليس هناك مادة دراسية اسمها الزواج وتربية الأولاد. Il n'y a pas une matière scolaire, une discipline scolaire qui s'appelle mariage et éducation des enfants. Il y a SVT, il y a français, il y a anglais, il y a espagnol, il y a mathématiques, il y a arts plastiques, il y a... Mais il n'y a pas mariage, il n'y a pas éducation des enfants. On leur a appris tout, même ce qui relève des relations intimes. Mais on ne leur a pas appris l'essentiel. L'insan لم يتعلم شيئا في حياته عن الزواج ولا التربية. L'homme n'a rien appris dans toute sa vie avant le mariage, n'a rien appris à propos du mariage et de l'éducation des enfants. وفي يوم من الأيام et un de ces jours يجد نفسه متزوجا. Il se retrouve marié أمام امرأة devant une femme, أمام رجل, devant un homme, في بيت واحد, dans un même et unique foyer, وهو لا يعرف كيف يتعامل مع الزوجة, et il ne sait pas comment se comporter avec la femme, وهي لا تعرف كيف تتعامل مع الزوج, et elle ne sait pas comment faire avec le mari, ويبدأ كل واحد في محاولات. Et chacun va commencer des manœuvres. Peut-être qu'ils n'aboutissent pas. Et chacun va commencer à apprendre à partir de ses propres erreurs. Et ainsi de suite. Comme un homme qu'on jette à l'eau et il ne sait pas nager.